Mon nom, c'est Natacha Béchard. Je suis gérante au PEPS pour les conseillements physiques sur musique. J'en ai également d'autres cours dans le conseillement physique et musique. Je suis bachelière en enseignement d'éducation physique et à la santé. Puis, ça fait près 5 ans moins que je travaille au PEPS okay. là, en tant qu'entraîneur. C'est un entraînement qui est surtout populaire pour l'instant aux États-Unis. Ça s'en vient tranquillement au Canada et au Québec. Là, ça en parle de plus en plus. C'est super efficace. C'est pour ceux qui sont à la base quand même assez en forme. Cependant, ceux qui n'ont jamais essayé de Tabata et qui ne se sont pas super entraînés, c'est possible, c'est accessible de le faire là, sans problème. Là. Okay. C'est un entraînement d'intervalle. Donc, on a 20 secondes d'effort intense avec des exercices musculaires et cardiovasculaires et un 10 secondes de repos. Secondes de repos qui ne permet pas au corps de vraiment se reposer totalement, mais le fait de repartir après 10 secondes, ça demande un effort supplémentaire au corps. Let's go! On marche! Mais quelqu'un qui va aller vraiment en intensité, aller se dépasser, va être capable, dans un laps de temps de 20 secondes, de donner son maximum. Fait d'y aller vraiment avec 100% de son intensité. Puis par la suite, il y a une petite seconde de repos qui permet de relâcher. Mais si on voulait quelqu'un qui voudrait faire une minute intensité 100%, c'est impossible. Okay. Donc avec des 20 secondes, on est capable d'aller chercher notre maximum, chose qu'on ne pourrait pas faire avec un laps de temps trop long. Oui, on peut aller chercher l'intensité qu'on veut. Okay. Dépendant, on peut sauter, on peut pas sauter, on peut utiliser des charges ou non. Mais ça reste le même type d'exercice pour tout le monde. Donc, en groupe, c'est super le fun. Là. Ça donne vraiment de l'énergie. Puis, c'est 8 fois le même exercice, donc c'est simple. C'est okay. super simple, c'est technique, facile à suivre, mais ça demande beaucoup cardio et musculaire.